Bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez. Bien-aimés frères dans le Seigneur, frères et sœurs, nous voulons partager avec vous quelque chose d'aussi important. Nous voulons parler de la prière. C'est quoi la prière? Pourquoi la prière? Parce que beaucoup de croyants, nous voyons, que ce soit dans nos églises, que ce soit à la maison, des gens, vous les voyez en train de parler. À qui est-ce qu'ils s'adressent? C'est quoi? La prière est très importante pour un croyant, pour un chrétien. La prière, c'est parler à Dieu, s'adresser au Créateur. Dieu, c'est l'être suprême, celui qui a créé toutes choses. Et sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien faire. Dieu nous a créés pour que nous puissions être dépendants de lui. Nous dépendons de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre sans lui. Et nous savons que dans ce monde, nous sommes tous des nécessiteux. Nous avons toujours besoin de l'intervention divine dans notre vie. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous protège, que Dieu... Peut-être quand nous sommes malades, la médecine est là bien sûr, mais nous savons que celui qui guérit, c'est l'Éternel. Même si nous pouvons recourir à la médecine, mais un croyant doit avoir foi en Dieu comme étant le grand médecin, le grand guérisseur, le Seigneur Jésus-Christ qui avait été meurtri à la croix pour le pardon de nos péchés, surtout pour la guérison de nos maladies. Alors, la prière, nous voyons comment Jésus lui-même, qui est Dieu manifesté dans la chair, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui a créé toutes choses, il était dans ce monde qu'il avait créé, hein, comme on nous dit dans Jean, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Alors ça, c'est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui nous a enseigné comment prier. Il faut prier. Et je peux prendre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, voyons comment Jésus parle à ses disciples. Nous sommes croyants, nous sommes disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 5. C'est Jésus qui parle. Il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voyez? Voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est Jésus lui-même qui nous apprend comment prier. Au verset 9, il dit, voici donc comment vous allez prier. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il dit, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc vous comprenez, ça c'est le Seigneur qui nous apprend comment prier. C'est que nous avons un Père dans les cieux. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Nous devons chercher le règne des dieux, qu'il descende, qu'il règne sur nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quoi que nous demandions à Dieu, nous devons le faire selon sa volonté. Nous cherchons que la volonté de Dieu soit faite dans notre vie comme au ciel.
Donc, c'est Jésus qui nous apprend comment est-ce qu'il faut prier. Et en priant, nous devons savoir que, comme nous-mêmes, nous sommes aussi très souvent fautifs, nous bronchons de plusieurs manières, nous attristons le Seigneur, nous devons aussi être prompts à pardonner aux autres leurs offenses. Parce que nous demandons souvent pardon à Dieu, il faut aussi que nous soyons prêts à pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, qui nous demandent pardon. C'est pourquoi Jésus, quand il enseigne comment prier, il inclut même le pardon du péché là-bas. Il dit, quand vous priez, demandez pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Alors vous voyez, quand vous dites ça dans la prière, il faut être sincère. Hein? Si tu ne sais pas pardonner, comment est-ce que tu seras pardonné? Alors il a même dit, si vous ne savez pas pardonner aux autres vos offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, quand nous prions, nous devons aussi être miséricordieux, nous devons aussi apprendre à pardonner aux autres leurs offenses. Et Jésus, toujours dans Marc 11, dans l'évangile cette fois-ci de Marc 11, de Marc, mon chapitre 11, c'est Jésus qui parle, notre Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit ceci, au verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, parce que nous parlons de la prière, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, quand on prie, on doit avoir la foi. On doit savoir qu'on s'adresse à quelqu'un qui est bienveillant, qui est un tendre Père, un Père bon. Celui qui nous a recommandé la prière et qui exauce les prières. Alors, quand vous allez dans la prière, vous devez déjà avoir l'assurance que celui à qui j'adresse ma prière, il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable de tout, rien ne lui est impossible. Même si moi je trouve que ce que je demande, en tout cas c'est difficile, c'est presque impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut tout. Il faut savoir que le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu à qui j'adresse ma prière, il est le Tout-Puissant. Donc, il faut y aller avec assurance, avec foi. Et c'est Jésus qui dit, voyez, quand vous priez, croyez déjà que ce que vous avez demandé là vous sera accordé. Voyez, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, je suis dans Marc 11, le verset 24, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et il associe encore le problème du pardon. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc vous voyez que la prière marche toujours avec le pardon. Le pardon de péché, vous-même vous vous humiliez, vous vous repentez pour être d'abord en communion avec votre Père céleste, notre Dieu. Ensuite, vous-même aussi, vous devez pardonner aux autres qui vous ont offensé. Et je vois encore là, c'est Paul qui est venu nous recommander la prière. Il dit que je veux que tous les hommes prient en tout temps, en élevant les mains pures. Ça c'est Paul, ça c'est l'évangile, c'est la Bible. Donc on nous recommande la prière. Il faut prier en tout temps, dans n'importe quelle circonstance. Ça c'est Paul qui nous dit. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, il dit ceci, ça c'est Paul, il nous exhorte en commençant par le verset 1er, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur et notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comme nous, les Congolais ici, vous voyez, nous avons besoin de la paix dans notre pays, nous décrions l'insécurité et tout ça, mais si tous les chrétiens pouvaient se tenir la main dans la main, si tous les chrétiens pouvaient vaquer à la prière, prier à chaque instant, Dieu ne resterait pas indifférent, Dieu exauce les prières. Alors, il nous recommande ici de prier pour tous les hommes, devons prier pour tous les hommes. Il nous dit même prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité, prier pour les rois,
Nous devons prier pour notre président, nous devons prier pour les gouvernements, nous devons prier pour les gouverneurs, pour tous ceux-là qui sont élevés en dignité, afin que nous ayons des jours paisibles, une vie paisible et tranquille. Parce que s'il y a la paix, c'est pour l'intérêt de tout le monde. S'il y a la guerre, qui va prier, qui va travailler, qui va faire des commandes, tout ça, il faut la paix. Alors, le prince de la paix, c'est Dieu. Et c'est pourquoi Paul nous recommande la prière. Il dit encore un peu plus loin, verset 8, toujours dans 1 Timothée chapitre 2, il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Que tu sois au service, il faut prier. Si tu es étudiant, tu vas dans l'auditoire, il faut prier. Vous savez que quand on est étudiant, élève, tout ça, il y a des gens qui viennent de tous les milieux, de tous les statuts sociaux. Il y en a, il y a des enfants de féticheurs, il y a des musulmans, des marabouts, des jésuites, tout le monde est là. Il y en a qui peuvent venir là pour jeter des mauvais sorts aux autres. Alors quand vous allez aux études, vous êtes dans l'auditoire, priez. Paul dit, je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Même si tu vas au marché, il y a aussi des gens par la concurrence et tout ça, ils peuvent vous jeter des mauvais sorts pour qu'on ne puisse pas vous acheter. Ils peuvent faire des gris-gris pour prendre votre chance, que les clients viennent chez vous. Priez en tout temps. Que ce soit au service, que ce soit au marché, partout. Priez en tout temps. En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaises pensées. Donc, c'est très important, la prière. C'est très important, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons vaquer à la prière. Dieu exauce les prières. C'est lui-même Dieu qui nous a recommandé la prière. Prions pour notre cher et beau pays, le Congo. Prions les uns pour les autres. Prions pour notre famille. Prions pour nos parents. Prions pour nos enfants. Si vous êtes père de famille, priez pour votre épouse, pour vos enfants. Vos enfants, priez pour les parents. Priez pour les pasteurs. Priez pour tout le pays. Afin que nous ayons des jours paisibles. Que Dieu vous bénisse.